Tous, on se retrouve sur Fallout 2 et avec la musique de Louis Armstrong. Give me a kiss to build a dream on. In my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. A kiss to build a dream on. Lorsque vous quitterez l'abri, n'oubliez pas de suivre les règles suivantes. Règle numéro 1. Alignez-vous en rang et calmement. Règle numéro 2. Portez des lunettes de protection. Après tant d'années passées dans l'abri, vos yeux seront sûrement sensibles à la lumière naturelle. Sans verre protecteur, vos yeux pourraient être sérieusement abîmés. Une fois dehors, préparez-vous à vivre une vie nouvelle grâce au Jardin des Dégâts Kit. Ou Jack. Papa. Utilisez le jet pour créer le nouveau monde tant attendu. Les résultats sont variables. Fin. Une présentation Voltec. Oh oui, on se barre de l'abri. Allez, on y va tous. Alarme, alarme. C'est épique. C'est trop épique. Bonjour. Coucou, je viens vous buter. C'est tellement chaud. Alors, on va faire un nouveau jeu. Donc, ce jeu fait par Black Isles, un groupe qui est décédé en 2003, je crois, suite à l'abandon de Fallout 3. Donc édité par Interplay, qui est quand même assez mythique. On va faire tout de suite créer un personnage. Alors, comme tout bon RPG, on construit son personnage. Mon nom, je vais mettre Pavel. Âge, on va mettre quand même un jeune. Pas trop non plus. Allez, 25 ans, c'était bien. Masculin, oui. Ouais, je suis un masculin, moi. Je suis un mâle. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors là, vous voyez, il faut, comme d'habitude, comme dans tous les Fallout, mettre la force, la perception, l'endurance, le charisme, l'intelligence, l'agilité, la chance. Donc la force, c'est pour taper et encore taper. La perception, c'est pour voir nos ennemis. L'endurance, c'est pour... je sais pas trop. Si, pour le point d'impact, voilà. Le charisme, c'est pour parler bien aux gens. L'intelligence, c'est pour être intelligent. Et l'agilité, c'est pour être agile. La chance, c'est pour être chanceux. La chance, on va mettre... nul. Intelligent. 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 Je vais mettre nul. Vous allez voir, ça va être génial. Ça va être drôle. Ça va être incroyable. Agilité. Force. Je vais mettre
Un héros. Héros, mon héros. Héros. Perception. Charisme. Agilité. Je vais mettre très bon. Charisme, endurance. Charisme, c'est important. Donc on va mettre bon. Non, très bon aussi. Endurance, très bon. Perception, très bon. Et voilà. Après, métabolisme brut. On va mettre brut. Une grosse brute. La brute, la brutasse. Talent. On va mettre talent. Intéressant. Intéressant. Donc, du coup, on va enlever ça. Super. Mauvais. Ok. Non, on va pas mettre talent. Tac. On va remettre ça. On va mettre. Sexapol, dur à cuire. Alors, dur à cuire, les effets stimulants durent deux fois moins longtemps que la normale, mais tu as également deux fois moins de chances de devenir dépendant. Dépendant, c'est l'inverse. Bon vivant. Monsieur Muscle. Monsieur Muscle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je vais plutôt mettre. Non, je vais laisser ça. Je vais mettre en héros kamikaze. Main lourde, sang chaud, finesse. Main d'or, gringalet. Je vais mettre finesse. Et à tout personnel, alors là. Il faut bien choisir. On va mettre l'arme blanche, arme légère et discours. Ça sert à rien puisque je mets une intelligence nulle. On va mettre passe-partout. Ouais, passe-partout. Allez hop. Ouais, allez. Soyons un gros fou. Et voilà, ça commence. Entre, être élu. Il y a des choses que tu dois savoir. Le village se meurt, les signes ne manquent pas. Berk. C'est une grosse bouse. Nos enfants sont malades. Ah bah ça se voit. Ma folle. Garantie qu'il peut redonner vie au désert. Trop craqué. C'est un truc de foufou. Le Jek sera l'objet de ta quête si tu t'en montres digne. Pour prouver ta Moi digne. Tu dois Comment ça? Temple des épreuves. Comment ça? Survie, reviens me voir. J'ai même pas besoin de ça pour le savoir. Nos vies sont entre tes mains. C'est une insulte à mon nom. Trouve le Jek. Sois Le Jek, c'est quoi le Jek? Alors. Bon, faut que je réapprenne à jouer aussi. Ça peut être pas mal. Alors. Donc je suis nul en intelligence, hein. Bonjour à toi, Pavel. Tu ne peux pas passer. Tu n'as pas terminé l'épreuve de la doyenne. Soupir. Pavel. Toi, à l'étemple. Toi, relevé défi. Toi, peux revenir avant d'avoir réussi l'épreuve. Obéir, doyenne. Toi, partir. Moi, allez. Ah bah d'accord. Je suis vraiment un débile. Oulala. Hé, idiot. Tu vas arrêter de laguer, idiot du village.
Tu es dans un temple obscur et renfermé, les ombres semblent te jouer des tours et tu entends le bruit faible d'un mouvement. Ça fait peur. Qu'est-ce que t'as à toi? Tu vois Mour, fourmi géante. Bonjour, fourmi géante. Tu viens pas m'attaquer? Oh, oh. Ah bah voilà. Oh le toc. Oh merde. Ma lance. Ma lance. Je vais te pousser jusqu'à l'enfer de damnation. Oh, damnation éternelle. Vas-y. Ah bah vas-y, c'est ça. Allez. Tu l'as dans l'antenne. Allez, ouvrons cette porte. Est-ce que t'es assez intelligent? Et oui! T'es pas si con que ça. Tu sais ouvrir une porte. Aujourd'hui, Pavel a réussi à ouvrir une porte. C'est incroyable. Allez, vas-y. Oh non! Je vais te pousser jusqu'à ta tombe. Et je lague comme un porc. Ah, le tac. Allez. Allez. Allez, fais pas chier. Oh là là. Allez. Je meurs. Allez. Fais pas ta pute. Oh là là. Bon allez, je vais faire une petite ellipse parce que là, ça lag de trop. C'est pas normal. Ah non, c'est bon. Ça revient, c'est bon. Ouf. Est-ce que ça va là? Ouais. Oh, tu l'as dans le fion. Alors, pour vous expliquer, ce jeu, c'est des combats tour par tour, comme à l'ancienne. Comme un jeu de cartes en fait. Vous voyez ici mon inventaire où je peux mettre des armes. Ici je peux voir non c'est mince. Voilà, dégâts 3 à 15 points. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc le personnage hein. Qualité, j'ai mis mes brutes finesse, voilà. Vous avez le karma aussi. Pour l'instant je suis vierge du désert. Il faut que tu sortes un peu. Tes performances sexuelles sont... Bon, avant le médiocre. Donc mon village Arroyo, je suis idolâtré puisque je suis l'être élu. Tout le monde dans le coin aimerait te ressembler. La ville entière te fait fête et te considère comme l'exemple à suivre. Et oui, c'est comme cela. Il y a quoi dedans? Allez, vas-y, mon go, mon gars. Poudre de guérison. Bon, pourquoi pas. Why not? Why not, why not? Vas-y, mon gros. Lag pas trop, mon gros. Il y a quoi par ici? Oh, il y a un scorpion. Bonjour, scorpion. Tu veux que je te morde la queue? Allez. Oh là là. Tiens, prends ça. Eh ben dis donc. Je vais prendre une queue de scorpion. Voilà. Parce que ça se vend. Donc vous verrez, hein. Un univers incroyable. C'est Fallout en même temps. Qui a quand même eu beaucoup de succès à l'époque. C'est pour ça que Bethesda a racheté la licence, hein, c'est pas pour rien non plus. Allez, vas-y. Oh non! Oh non! Yes! Tu l'as dans Baba! Bon. Je pense que je vais faire un épisode où je vais juste faire ce temple des épreuves pour être l'être élu définitif. Je vais aller par là. Parce que... Ouais, non.
Je vais prendre la lance qu'il y a sur le cadavre à droite. Et normalement, il devrait avoir un scorpion. Je sais pas où il est, je le vois pas. Il est là. Malédiction. Damnation éternelle. Allez, vas-y. Eh ben, vas-y, mon grand. Non. Ah, il y en a trois, carrément. Ah oui, ils sont comme ça, eux. J'ai peur, maman. Maman. Allez, vas-y. 66% de chance. Et bim. Tu l'as dans le baba. Je vais passer le tour. Comme ça. Faut les laisser s'approcher, hein. Allez, vas-y. Allez, vas-y, mon gars. Ah. Non. Je suis empoisonné. Ah, ça va mal. Aïe. Ah. Tu fais du bruit, tiens. Alors, je vais prendre cette lance. Le scorpion, je m'en fous. Au secours. Je suis empoisonné. Y a pas un truc... Normalement, je dois perdre des points. Un truc comme ça. Alors, il y a le pipe... Tu ne portes pas le pit boy. Ah merde, c'est vrai. La carte. Tout con. Ah! Quoi, la porte est verrouillée? Ah oui, c'est vrai. Hop. Passe-partout. Tu reçois 25 points d'expérience. Tu crochettes adroitement le verrou de la porte. Vous allez voir aussi, les dialogues sont super dans le jeu. Tu vois une plaque relevée. Là, faut faire attention. Vous voyez ces petits trucs là? Juste ici, là. Des plaques relevées. Avec des pièges. Des beaux petits pièges. Je vais essayer de pas. De pas marcher dessus quand même. Allez, viens par là, mon gros! C'est quand même. C'est marqué petit scorpion, mais ils sont assez gros. Hein. Et il y en a des plus gros de ça aussi. Alors je m'approche. Et je te pousse. Secours. Et voilà. Et voilà. Si c'est pas de l'efficacité, ça. Hop. De la poudre. Un peu de poudre. J'en manque. Oh merde. Merde. Je voulais pas. Ah ouais, tu veux ma lance dans ton fion. Attention, 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 attention. Oh là là, c'est mauvais. Non. Vas-y. Vas-y, mon gars. Ouais. Ouais. Ouais, par contre, va falloir de l'antidote, là. Mon petit gars. Oh. Oulala. Calme-toi. C'est quoi, ça? Un gouffre. Le gouffre de damnation éternelle. Ah oui, l'explosif. Parce que faut casser la porte là, en fait. Ah! J'ai pas le temps d'expliquer. Sale fourmi. Tu vas me laisser parler, oui. Hey, mec. Hey, mec. Enfin, non. T'es pas un mec, mais. Allez! Oh! Ah! Raté!
Quel cri sexy. Et voilà. Vous voyez, ça active le combat. Ou plutôt là, ça l'a désactivé. Je vais chercher l'antidote dans le coffre en haut à gauche. À droite, pardon. Si je confonds ma droite et ma gauche, ça va pas aller. Ça va, c'est une fourmi. Parce que les scorpions, c'est vraiment agaçant. Surtout quand on n'a pas une bonne armure. Ah ! Ah, non, non. Mon intelligence me manque, je crois. Mais est-ce qu'il va être assez intelligent pour boire l'antidote? Ça, c'est une autre question. Allez. Allez, mon gars. Allez, mon gars. Hop. Voilà, ça c'est bien. Maintenant, on boit l'antidote. L'inventaire, oui. Ça se boit pas. C'est bon. Vous voyez que le petit cadre empoisonné a disparu. Comme par magie. Et maintenant, on va mettre l'explosif à la porte. Comme un gros rebelle. Un. Vas-y. Dans le mandibule. Oh merde. Ah. Vous voyez que si je fais clic droit sur la lance, ça fait une petite cible et je peux choisir l'endroit où ça va atterrir. Ah, raté. Oh, raté. Merde. Fuck. Oh putain, j'ai été touché pour 4 points en plus. Oh, je suis deg. Je peux la lancer aussi. Mais bon. J'y tiens un peu quand même à ma lance. Allez. Maintenant. On va mettre. Allez, dégage. 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 Je vais mettre sauvegarder. Merde. Pavel Hofner. Hofner. Voilà. Explose. Explose, espèce de bruti. Ouah. À cause de ta maladresse, la charge explose prématurément, heureusement. Et c'était une explosion du tonnerre. Aïe. Putain, c'est la première fois que je me fais toucher par ce piège. Je deg. Oh, tiens. Ah non, c'est bon. Je croyais qu'il y avait un truc... ouais, c'est bon. Bonjour, fourmi. Oh yeah. Cours, fuyons. Courage, fuyons. Allez. Ah. Allez. Oh là là. C'est une catastrophe. Voilà. Alors celui-là, c'est un monsieur qui va nous demander une petite épreuve. Alors. Bonjour Pavel, j'ai l'honneur d'être ton dernier défi. Pour poursuivre ta quête, tu dois me vaincre au cours d'un combat au corps à corps. Pouvons-nous continuer? Moi, avoir question. Ok, battons-nous. Non, moi, préparer d'abord. Alors, moi, avoir question. Pourquoi se battre?
Le chemin de l'être élu est semé d'embûches. Pavel, tu vas devoir relever de nombreux défis au cours de ta vie. Le plus difficile d'entre eux sera de traiter avec tes semblables. Révéleront inutiles et où. Ah là là, j'ai pas eu le temps de tout voir. Ce défi te prépare à affronter un autre être humain. Regarde-le dans les yeux et sache qu'il faudra peut-être que tu le tues. Ok. Nous, se battre à mort? Non, tu dois seulement me battre. Lorsque le moment viendra, nous mettrons fin au combat. Moi comprendre. Nous, se battre à main nue? Oui, les armes ont tendance à nous éloigner du combat et à désensibiliser les effets de nos actions contre les autres. Lorsque tu frappes un autre humain avec tes seuls poings, tu sens plus le combat, on va dire, devient plus personnel et plus réaliste à la fois. C'est une importante leçon pour toi, Pavel. Moi comprendre. Ok, on se bat. Très bien, pouvons-nous commencer? Quand tu veux. Parfait, tes affaires vont être placées dans le coffre à l'extérieur de la salle. Tu pourras les récupérer après le combat. Que le combat commence! Bonne chance à toi, Pavel. Je peux commencer à taper? Je peux commencer à taper? Non. Bon, d'accord. Aïe! Ah ouais! T'es comme ça, toi. Ah merde! Secours! Eh, tu me tues pas non plus, hein. On a dit pas de combat à mort. Ah! Secours! Courage, fuyons! Aïe, 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 aïe. Mais il va me finir par me tuer. Ce petit con, là. Allez! Oh, putain! Allez, le combat d'handicapé, quoi. Bah génial quoi. You sont tout. Ok d'accord. Ils sont géniales tes cris toi. Merde. Hop. Oh. Secours. Ah bah on est tous les deux des handicapés hein. Franchement. Le spécialiste du combat, bah revois tes points. Oh mais bordel! Aïe! Aïe! Je vais crever, je vais crever, je vais crever. Je vais crever! Mais tu vas crever, oui? Hein? Aïe! Bordel. Au secours! Quand même. Eh ben bordel. Bon par contre ce lag là, ça m'énerve. Alors que je regarde ce que c'est. Allez. Patate pute. Tout. Voilà. Et on finira pour ce premier épisode de Fallout 2. Le let's play en français. Avec tous les patchs, tous les mods qu'il faut. Puisque, je vous ai pas dit, mais j'ai mis tous les mods qu'il fallait pour que le jeu soit encore mieux. Et vous allez voir, on va bien se marrer. Le t-shirt de l'être élu. Tellement épique. Oh yeah! Numéro 13! Êtes-vous prêt pour le combat final? Non, sœur. Tu me combles de fierté, être élu. Tu as surmonté tant d'épreuves. Maintenant, tu dois partir à la recherche de l'abri 13. L'abri 13. Comment elle nous prend trop pour un crétin? Le GEC. Voici une bouteille qui brille. Tu me l'as donnée. Vic, c'est un marchand de clamates. Clamates. Rends-toi chez Vic, trouve l'abri 13, trouve le GEC et reviens. Fais de ton mieux, mon enfant.
Oh, la réponse. Nous comptons sur toi. Ok. Moi. Alors là, si en vrai il compte vraiment sauver le village sur un imbécile. Ah là 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 là. Et je vais finir cet épisode sur un petit dialogue avec le chaman. Parce qu'il est bien drôle celui-là aussi. Bonjour, être élu. Pourquoi la terre que je contemple se réchauffe sur ton passage? Dieu te bénisse, car tu es un véritable enfant de la nature. Pourquoi es-tu usé de tes talents spéciaux pour débarrasser mon jardin des plantes aux arbres rongés? Toi, donner mal de tête. Ton aura honore ma présence lorsque tu seras. Viens me voir quand tu auras terminé et je te récompenserai. Si lui il parle normalement, c'est qu'on est vraiment des imbéciles. Ouais, mais je veux bien que tu me soignes d'abord. Tu peux me soigner, s'il te plaît? Comment puis-je tous... Merci. Ah ouais, fallait dire Ougbak pour soigner. Bah dis donc. Alors, je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode. Ou alors, dans un épisode de Crusader Kings. On verra bien. Mais en tout cas, ça commence vraiment bien. Je crois qu'on va bien se marrer. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut.